Dans cette vidéo, on va parler des nombres rationnels. Alors, les nombres rationnels, c'est quoi ? On peut remarquer et utiliser ça comme moyen mnémotechnique que dans rationnel, il y a ratio. Les nombres rationnels, ce sont des nombres qu'on pourra écrire sous la forme d'un ratio ou d'un rapport, ou d'une fraction, hein, entre deux nombres entiers. Donc, on va prendre quelques exemples. Si je prends les nombres entiers comme 1, par exemple, ben 1, je peux l'écrire sous la forme 1 sur 1. Ou moins 2 sur moins 2, ou d'ailleurs 10 000 sur 10 000. Hein. J'ai plein de manières d'écrire 1 sous la forme d'une fraction entre deux nombres entiers, donc 1 est un nombre rationnel. Donc pour continuer, je peux regarder par exemple moins 7, un nombre entier relatif, bah, moins 7 aussi, hein, ça peut s'écrire moins 7 sur 1, ou même 7 sur moins 1. Ou encore moins 14 sur 2. Donc tout ça, ce sont des manières d'écrire moins 7 sous la forme d'un rapport de deux nombres entiers. Donc moins 7, comme tous les nombres entiers relatifs, est aussi un nombre rationnel. On regarde maintenant les nombres décimaux, par exemple. Hein, si je prends par exemple 3,75, donc c'est un nombre qui a deux chiffres après la virgule, et ça sera le cas pour tous les nombres qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule, hein, qui ne soit pas 0. Et bien 3,75, je peux très facilement l'écrire sous la forme 375 sur 100. Et 375 sur 100, bah, c'est 375, et donc c'est un rapport entre deux nombres entiers. Donc c'est un rationnel. D'ailleurs 3,75, je peux aussi l'écrire sous la forme 3 plus, et 0,75, c'est 3 quarts. Hein, donc 3 plus 3 quarts, je peux réécrire 3, en mettre, pour tout mettre sous le même dénominateur, hein, j'ai réécrit 3 sous la forme 12 quarts, plus 3 quarts, ce qui nous donne 15 quarts. Et donc on a encore une fois une fraction entre deux nombres entiers, il s'agit bien là d'un nombre rationnel. Alors, on a vu ici un nombre avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Qu'en est-il des nombres avec un nombre infini de chiffres après la virgule? Je vais prendre comme exemple 0,3333, etc. Et les 3 se répètent jusqu'à l'infini. Ça, on appelle ça des nombres à développement décimal périodique illimité. Ce qu'on veut dire par ces mots barbares, tout simplement, on dit que le nombre 3 va se répéter à l'infini, ou qu'il y a un motif dans les chiffres après la virgule qui va se répéter à l'infini. Donc là, on le note souvent cette manière-là, 0,3 avec une barre, pour dire que ce qu'il y a sous de la barre, c'est la période, c'est ce qui se répète. Donc là, le 3 se répète à l'infini. Et ça, ben, on connaît bien ça, c'est un tiers. Et un tiers, c'est bien un rapport entre deux nombres entiers, donc c'est bien un rationnel. Donc un rationnel peut avoir un nombre de décimales infinies. Hein, pareil pour 0,6666, hein, à l'infini, ben ça c'est 2 tiers, c'est bien encore une fois un rationnel, même s'il y a un nombre de décimales qui est infini. Mais là, tu vas me dire, mais si on inclut les entiers relatifs, les nombres décimaux avec un nombre de chiffres après la virgule fini, et même pas mal de nombres décimaux avec des chiffres après la virgule infini, hein, c'est périodique là, si tout ça ce sont des rationnels, alors ben, il reste plus grand chose pour les rationnels, pour les autres qui ne sont pas rationnels. Eh ben, en fait, ces nombres qui ne sont pas rationnels, on va les appeler des irrationnels. Et il y en a pas mal. Hein. Là, on va commencer par regarder quelques petits exemples pour se familiariser avec eux. Donc là on a pris des exemples quand même assez célèbres. Hein. Pi, hein, le rapport entre la circonférence du cercle et son diamètre, eh ben, c'est un nombre irrationnel. C'est-à-dire que non seulement il y aura un nombre infini de décimales, hein, le nombre de chiffres après la virgule, ben, ça ne termine pas, mais en plus, aussi loin que je cherche, je ne trouverai jamais un motif qui se répète. Hein, dans pi, un motif qui se répète à l'infini. Ce sera la même chose pour cet autre nombre-là qu'on appelle e, et qui sera de nos meilleurs amis quand on fera les exponentielles, les logarithmes, etc. Racine de 2, tiens, racine de 2, eh ben, c'est aussi un irrationnel. On ne peut pas l'écrire sous la forme d'un rapport entre deux nombres entiers. Ça, on le démontrera dans une autre vidéo. Et donc ça, c'est un nombre irrationnel. Il n'y a aucun motif qui se répète par la suite. Dans ce nombre décimal. Pardon, dans ce nombre dans les décimales de racine de 2. Donc au passage, hein, le fait que les nombres qui ont cette fameuse période après la virgule comme 0,3333 0,6666, on va en fait démontrer dans une autre vidéo qu'ils sont tous
forcément rationnel. Donc là, on revient à notre racine de 2. Racine de 2, lui, ne l'est pas. Ça sera le cas d'ailleurs de pas mal de racines carrées, racine de 3, racine de 5, racine de 7. Mais attention, toutes les racines carrées ne sont pas des irrationnelles. La racine de 16, par exemple, c'est 4, et 4, c'est un entier qui est donc rationnel. Donc ce ne sont que certaines racines carrées. Et ça, on va démontrer ça dans une autre vidéo. Si on évite ce qu'on appelle les carrés parfaits, hein, 3 au carré, ça fait 9, 4 au carré, ça fait 16, donc 9, 16, 25, 36 sont des carrés de nombres entiers, on les appelle des carrés parfaits. Et bien, pour peu qu'on évite ces nombres-là, si on prend un nombre et on prend sa racine carrée, et bien on va forcément tomber sur un irrationnel, tant que ce nombre n'est pas un carré parfait, et ça sera démontré dans une autre vidéo. Donc là, pour finir, on a aussi le nombre d'or, hein, qu'on note souvent phi, c'est aussi un irrationnel. Donc là, on a montré quelques irrationnels célèbres, un peu particuliers. Donc on peut peut-être avoir l'impression que ces irrationnels sont rares, mais en fait pas du tout. On peut démontrer qu'entre n'importe quel deux rationnels différents, hein, si je les appelle Q1 et Q2, et ben entre les deux, Q1 et Q2, il y aura au moins un irrationnel. Donc entre deux rationnels différents, il y aura forcément au moins un irrationnel. Quoi de plus? La somme entre un irrationnel et un rationnel. Eh bien, ça sera un irrationnel. On le démontrera dans une autre vidéo. Le produit entre un irrationnel et un rationnel sera aussi un irrationnel. Donc en fait, les irrationnels, on ne peut pas vraiment dire qu'il y en a moins que les rationnels. Il y en aura beaucoup.